Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue. Aujourd'hui on va se faire quelque chose de très sympa, de très rapide à réaliser. On va se faire des roulés de pain de mie, version raclette les amis. Croyez-moi, c'est une tuerie. A tout de suite. On va débuter la première recette les amis, vraiment toute simple. Alors de quoi on va avoir besoin? Du pain de mie. Là je vais prendre du jambon, du bon fromage de raclette et un tout petit peu de beurre fondu, ça fera l'affaire, il faut rien de plus pour l'instant. On va prendre notre tartine, un petit rouleau à pâtisserie et on va venir tout simplement l'aplatir pour qu'elle devienne la plus fine possible. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre un peu de raclette. Hop, voilà. Et une belle tranche de jambon. Et après, tout simplement, je vais prendre le papier cellophane que j'ai mis par en dessous. Et je vais commencer à tourner juste là. J'aplatis un premier coup juste ici. Je remonte un peu le film étirable et là je vais venir le rouler directement. Hop, jusque là. Sur l'arête juste ici, le dernier rebord, je vais mettre un tout petit peu de beurre. Ça va bien venir sceller les deux côtés du pain. Et voilà, regardez, ça fait un beau rouleau. Si vous voulez que vos pains tiennent vraiment bien, vous pouvez le laisser quelques instants dans le papier étirable, dans le film étirable. Et là, ils vont vraiment bien tenir. Je vais en faire des différents, mais toujours avec la même base de fromage, de la raclette. On est en mode hiver, donc c'est un peu d'actualité la raclette. Hop, donc je mets le fromage, je vais mettre de la truite fumée des Vosges. C'est vraiment un régal. Surtout, on essaye de mettre les ingrédients sur le centre. Et évidemment, on prend le plus fin possible pour pouvoir faire notre rouleau après. Donc comme tout à l'heure, on fait le premier pli. On aplatit un peu, on remonte le cellophane et là on vient rouler en serrant le plus possible. Un peu de beurre sur la fin. Hop, voilà. Voilà, regardez, c'est vraiment très sympa. La dernière petite touche, on prend le reste du beurre fondu et on va venir en mettre sur le dessus. Ça va faire un bon petit croustillant. Pour un peu plus de fun, je vais tester le petit rub dessus. Je ne vais pas le faire sur tous. Ça va être juste un petit test. À mon avis, ça va être assez sympa. On va passer à la cuisson, rien de plus simple, direct sur la grille, un feu pas très fort, surtout on va venir poser le côté où on a fait la petite jointure par en bas, pour pas que ça s'ouvre. Évidemment, si on a la possibilité, couvercle fermé. La cuisson est terminée. Je peux vous dire que quand j'ai ouvert le barbecue, ça sentait super bon la raclette. Regardez ça. Le petit rituel, les amis. Oh là là, regardez ça. Ça, ça me fait kiffer grave, surtout à la raclette.
Surtout le manger comme ça dehors. Vous savez, j'adore ça. Déguster ce petit morceau ou cette petite saucisse parfois juste à côté du barbecue. Ça, c'est le meilleur moment, ça. C'est vraiment super bon. Les épices, ça rapporte vraiment un côté assez sympa. Un peu plus... un peu de piquant aussi. Alors, qui c'est qui veut goûter ça? Regardez ça. C'est un régal. Voilà une petite recette sans prise de tête, très rapide à faire, qu'on retrouve un peu partout. Là, je l'ai adapté un peu en version raclette, et puis histoire de la passer au barbecue. Vous avez compris que c'est déclinable à l'infini. Tant qu'on garde de fines épaisseurs pour faire notre roulage, on va vraiment pouvoir décliner ça avec plein d'autres recettes et vraiment plein d'ingrédients. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.